Alors aujourd'hui, Chica et moi avons eu cette idée folle de quitter le Pizzaplex. Il y a soi-disant ce protocole anti-vol nous fait exploser si nous nous éloignons trop du Pizzaplex, mais je suis sûre que c'est une charge de merde. Les filles se sont terriblement bien comportées ces derniers temps. Je sais juste qu'ils sont à la hauteur de quelque chose. Roxy a enfin nettoyé sa chambre aujourd'hui. Elle ne nettoie jamais sa chambre. Roxy a eu la grande idée d'aller explorer. Je suis un peu inquiète au sujet du protocole de sécurité. Celui où nous allons exploser si nous nous éloignons trop du Pizzaplex, mais de façon réaliste. Pourquoi installeraient-ils cela? Il n'y a aucune raison pour qu'ils installent cela. De plus, Roxy a dit qu'elle avait trouvé un moyen de le tester. Donc, nous verrons ce qui se passera. Ouais, je sais que les filles se faufilent lors du Pizzaplex. Ce genre de choses est quelque chose que j'aurais pensé. Une invitation aurait été bien. Est-ce que je vais dire à Freddy? Non, parce que Monty n'est pas un snitch. Fucking bitches. Vous les gars, juste film et tout, hein? Prêt. Chica, la baise et tout ça? Maître Hook, j'ai décidé de n'emballer que l'essentiel. Vous avez emballé tout cela? En fait, c'est ma pochette de la taille d'un voyage. Nous ne partons que pour une nuit, Chica. Vous avez raison. Je devrais emballer plus. D'accord, nous attendons à l'extérieur de la chambre de Chica en ce moment pour que nous puissions les attraper en train de partir dans l'acte. Chez Snitch, j'ai pensé que ce serait drôle. Et une fois qu'ils reviennent, ils obtiennent une oreille attentive de Olfreddy. Pourquoi ne leur donnez-vous pas simplement l'oreille avant qu'ils ne partent? Je veux qu'ils apprennent une leçon précieuse sur des raisons pour lesquelles l'extérieur est un endroit effrayant. Mais que se passe-t-il, cette explose? Allez, Monty, vous et moi savons tous les deux que cette programmation est un mythe. Ils sont venus exploser. Oh non, ils sont déjà partis. Ils vont exploser. J'aurais pu les arrêter. J'aurais pu les sauver. Je savais que je n'aurais pas dû interrompre les réunions horaires. Non, vous auriez certainement dû, il n'y avait littéralement rien à dire. D'accord, êtes-vous sûr que nous n'allons pas exploser? Ouais. Non. Ouais. Ce ouais ne semblait pas très sûr. Eh bien, j'ai dit aux géniaux Zipman de marcher les 5 miles, puis de revenir. Ils sont revenus, la plupart d'entre eux de toute façon. Eh bien, c'est assez bon pour moi. Sommes-nous encore là? Non. Que diriez-vous maintenant? Non. Que diriez-vous c'est maintenant? C'est non. Sommes-nous encore là maintenant? Ouais. Vraiment? Non. Il n'y a rien que nous puissions faire pour eux maintenant, Freddy. Et nous devrions renommer Roxy Sresway en Monty Sresway. C'est ce qu'elle aurait voulu. Pourquoi cela continue-t-il à se produire? Nous sommes sur le point de passer le seuil. Nous devrions nous aller en premier. Je le sais, j'ai toujours voulu visiter notre site, ça. C'est le Music Man. Sortez ici, chou. Ouais, toi, toi, Roxy. Invitons-le simplement à notre aventure. Ouvrir la voie, Music Man. C'est tellement stupide. Vous connaissez Roxy? Quelqu'un qui est incapable d'accepter les autres sont incapables de s'accepter. Chica, qu'est-ce que ça veut dire? Mètres, c'est le seuil, pas 8000. Pouvez-vous me blâmer pour se tromper? Pourquoi la mesure du compteur pour 5 miles se terminerait-elle dans un nombre aléatoire comme 46? Vous vous attendez à ce que ce soit juste 8000, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne blâme pas Roxy pour son erreur. Honnêtement, c'était juste incroyable de quitter le Pizzaplex, même si tout ce que nous avons fait était de marcher 5 miles sur l'autoroute. Mais ces 5 miles ont été passés avec mon bon ami Roxy.
Et toutes les autres personnes qui sont passées et qui se sont écrasées. Je m'attendais à beaucoup plus d'une oreille attentive de Freddy, mais il était juste heureux que nous allions bien, ce qui était assez surprenant. Je suppose que je dois être plus gentil avec ce grand gouffre pâle. Et 10h signifie lumières éteintes. Qui suis-je plaisanté ? Je suis toujours putain de le détester.